Ouais, c'est vrai que moi, vendredi soir, personnellement, je pensais qu'on n'allait pas jouer ce match. Donc, c'est vrai qu'on a préparé le match d'une manière un peu moins facile que d'habitude et avec moins d'envie, moi, personnellement. Donc, peut-être que les filles, c'était la même chose. Mais c'est vrai que par rapport à ces événements-là, on se dit qu'un match de football, c'est pas très important. Ouais, c'est un contexte un peu particulier. Personnellement, moi, j'aurais pas joué le match, mais bon. La Ligue décide autrement. Ouais, on va retenir vraiment que la victoire. Ouais, c'était l'objectif, enchaîner à domicile les victoires, enchaîner une deuxième victoire de suite parce que pour la confiance, ça fait du bien. Après, on a fait une très bonne entame de match. Je pense qu'on a même fait une trop bonne entame de match. On s'est vu peut-être un peu trop supérieur à l'équipe adverse. On est rentré après dans des choses un peu plus compliquées. On n'a pas joué foot, on a joué un peu moins simple. Mais bon, au bout du compte, on a quand même fait le nécessaire. On a marqué 4 buts contre Lillers. C'était une équipe qu'on craignait parce que c'est une équipe qui posait problème. Donc on a fait ce qu'il fallait. Au bout du compte, on a les 4 points. Tu peux me répéter ton deuxième but, celui-là, instantané là. Oh ben, le ballon arrive, je vois la joueuse arriver. Donc je pensais qu'elle allait la contrer. Donc j'essaie de frapper fort en essayant de viser le but. Et bon, il y a quand même beaucoup de chance pour qu'elle finisse au fond. Encore une fois, il faut quand même les féliciter sur ce qu'elles font depuis un certain temps, le travail qu'elles fournissent à l'entraînement, le travail dans le match. Et oui, on a une équipe quand même qui monte en puissance et on le sent par rapport à l'adversaire.